Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau Battle Royale qui s'appelle Cuisine Royale, disponible sur Steam gratuitement et j'ai juste fait... Oh je suis trop mignon avec mon petit sac. Une partie avant, histoire de voir comment les touches se faisaient et tout ça parce qu'il vient juste de sortir et il n'y a pas énormément d'options graphiques ou de touches. On est un peu livré à nous-mêmes mais ça se prend très rapidement en main. Et c'est assez fun, il y a pas mal de choses d'ailleurs, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il vient juste de sortir, t'as déjà des véhicules, il tourne vraiment bien, visuellement il est beau. Et en plus c'est plutôt drôle au niveau des équipements, tu te protèges la tête avec une passoire et des trucs dans le genre. Et regarde, je peux même prendre une mitrailleuse si je veux quoi. Et quand t'atterris dans la partie, on est que 26 ça. C'est pas un avion ou n'importe quoi par contre, c'est ton bonhomme, il apparaît un peu aléatoirement comme ça. Et après t'es livré à toi-même dans ce monde et je suis proche de la zone. On va essayer de chercher autre chose. Et il me sert à quoi mon sac par contre? Il est joli, je suis d'accord, mais... Et le jeu, ouais, j'adore. Esthétiquement, ça... Je trouve ça super beau. Les champs comme ça, les vieilles maisons. C'est parfait. Ça, ça les témoins. C'est moi ou le mec, il est... Le mec, il est mort 10 secondes après, quoi. Alors, regarde, j'ai une poêle dans le dos. Là, je ramasse plein de trucs. Oh! Nickel! Oh, 71 balles. Il faut faire vraiment attention au son. Parce qu'avec tous les équipements que t'as sur toi, les ennemis, tu les entends de loin, quoi. Ouais. Il avait même ça sur lui, et il est quand même mort, le pauvre. Bon, bah, je crois qu'il avait tout fouillé dans la maison, on n'a plus qu'à sortir. Oh, il avait tout fouillé, regarde. Aïe, ça, c'est ma tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger mon arme. C'est bon, elle était rechargée. Oh, c'est cool. C'est cool. On a fait un kill. Il en reste 27 en vie? Attends, tout à l'heure, il en restait pas 26. Oh, il y a des ruches. Oh. T'as entendu aussi? Il y a un mec là-dedans. Ah, c'est bizarre, là, ça lag un peu la partie que j'ai fait tout à l'heure. Il y avait vraiment aucun lag. Oh, on les voit un peu se téléporter, tu vois, regarde. Je l'ai touché. On va se rapprocher, histoire de voir ça un peu de plus près. Eh oh. Waouh. Et les mecs? Bon, je crois que ça a bugué. Bon, on est reparti. Comme ça, vous voyez comment on apparaît. Le jeu a bugué. Le jeu a complètement planté. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je veux continuer, je veux. C'est dommage, j'avais des ennemis devant nous. Ça aurait pu être sympa, mais comme la partie laguait énormément, d'un côté, c'est pas plus mal parce que je pense que... Ouais. Je serais mort peu de temps après. Faut que je me grouille de trouver des trucs. Oh, un réfrigérateur. Des chaussons, non mais c'est une blague. Ça fait office d'armure, ça fait office de casque comme c'est de passoire. Ouais, non, là je rejoins la même maison. Ouais, pour le moment t'as aucune option graphique. Ou alors j'ai pas trouvé, mais. Y'a un joueur. On va voir s'il a une arme ou pas déjà. S'il a pas d'arme, on essaye de se le faire au corps à corps. Il arrive. Crève! Enfoiré! Mais c'est quoi ce combat? Yeah! Donne-moi ton caleçon! Tu saignes des fesses! Est-ce qu'il saigne ou pas là? C'est quoi ce combat? Oh, il est mort! Oh! Donne-moi ça! Donc, du coup, il n'y avait rien d'autre dans les maisons. On va aller se grouiller pour aller dans la zone. Oh, on a fait un kill, les mecs! C'est trop beau avec les moulins, tout là-bas. Voilà la taille de la carte! Halt! Ah ouais, j'irais bien dans le village là-haut, mais je pense que ça a dû déjà être fouillé. Et là, autant dire que j'ai strictement rien, je suis à poil, avec mon caleçon. Avec des cerises, mais non. J'ai des cerises sur mon caleçon. Non, t'es pas sérieux. Heureusement que j'ai pas fait de bruit de lapin, là. Allez, donnez-moi vite une arme. Les mecs, croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas un mec qui campe quelque part. Un scope, c'est bien. Mais une arme, ça serait mieux. Oh! Je vois pas trop ce que j'ai ramassé. Ah, un fusil. Cool. Ouais. C'est moi ou mon casque où il y a un truc qui fait de la fumée sur moi là? Ah non, c'est un cigare que j'ai dans la bouche. J'ai un cigare. C'est pour ça que ça fume. Voilà, tout s'explique. Ouais. Tu l'as vu toi aussi? Oh, je l'ai eu. Je crois que j'en entends un autre qui marche pas loin là. T'as
pas le droit de faire ça quand même. Je me casse. Je vais prendre mes distances. Et la prochaine zone, là, je suis pas dedans. J'ai une autre arme, ouais, cool. Attends, on va aller dans les champs, je vais mettre un scope dessus. Ah, il y a déjà un scope. Ah ouais. Ah, c'est cool. Je peux viser avec la mire, mais également viser avec le scope. Et le cigare, je vais me faire opérer avec ma fumée, moi. Putain, je les attendrais bien, moi. À l'univers, je suis totalement conquis. Ça pourrait presque être un jeu solo. Mais là, c'est encore mieux sans multijoueur. Et on voit loin et tout. Bonjour, monsieur l'épouvantail. Ne balance pas aux autres que je suis passé par là, d'accord? Je couvre au milieu des champs. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Ce que je peux faire, c'est me mettre ici. C'est comme ça, je suis un peu protégé. Et en même temps, je regarde mes arrières. Ah ouais, tu le vois, là? Je l'ai touché. Il va être juste devant moi, là, quelque part. Il est là. Tu le vois? Mais crève! C'est bon, il est mort. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est la barrière qui arrive? Vite, au cours! Oh, punaise, j'aime pas le bruit de la barrière. Ça me plaît pas du tout. On arrive. C'est un mec dans l'eau qui fait ce bruit ou quoi? Ah ouais! Il m'a vu ou pas? Il est mort. Je crois qu'il s'est allongé, lui. Moi, je savais même pas qu'on pouvait s'allonger. Oh, le bruit que ça fait quand il était dans la flotte, le mec. J'irais bien le loot, mais... J'ai un peu peur, tu vois. Parce que ça tirait juste à côté. Là, je suis dans la zone. Il y a personne qui arrive derrière moi. La barrière. Bon, je vais avoir envie. La prochaine zone est plus loin encore. On perd pas de temps, on y va. On reste caché là-dedans, là. On reste caché dans nos saucisses. Avec un peu de chance... Elles vont nous porter bonheur. Je crois que j'ai vu le mec là-bas. Vous l'avez vu aussi avec vos yeux? Regarde, il est juste là. On va attendre. Oh. Par contre, j'ai un peu peur d'être visible. Allez, regarde, on va lui tomber dessus juste là. Vite, vite, vite. Est-ce qu'il m'a vu ou pas, lui? Il est pas mort. Mais on a une chance, c'est qu'il sait pas où on est. Il est toujours pas mort. Il est mort. Putain, moi, des trucs... Oh, punaise, mais... Je vois rien là-dedans, moi. T'as vu tous les trucs qu'il y a ou quoi? Bon, on s'en fout. On va faire avec ce qu'on a. J'ai plus beaucoup de balles, mais il reste plus beaucoup de mecs vivants. On va aller dans la zone. Il y a deux mecs en face. Ils vont devoir traverser l'eau. Oh non, on saute pas. Punaise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la limite de la zone... Il doit y avoir un mec qui traverse l'eau, là. Il est où, le gars? La barrière est en train d'arriver, là. S'il a traversé l'eau... Il devrait arriver maintenant. Ah, il est là. Ouais, c'est pas le moment de mourir. Oh, punaise! Il y a la barrière qui arrive dans mon dos en même temps. Il est mort. Oh non, j'ai ramassé la cam et j'ai pas de balle avec. Oh punaise. Oh non, je suis mal barré. Faut que je me soigne un peu aussi. Oh non. J'ai la cam et j'ai zéro balle. Bon les mecs, je pense que je vais mourir. Il n'y a rien pour s'abriter. J'ai presque plus de balles. Dites-moi que j'ai un pistolet au moins. J'ai pas de pistolet. Il n'y a rien pour s'abriter. Oh non, moi je vais aller vers les arbres là-bas. Mais je pense que ça va être râpé pour nous. Ce que je vais essayer de faire, c'est laisser les mecs s'entretuer. Et arriver juste faire le duel final, tu vois. Ça me semble être... plutôt pas mal, non? Bah forcément, il y a déjà des mecs dans les maisons. Ah, il y en a un qui court, tu le vois là. Ah, il est rentré dedans. Ah, il est en train de courir, tu le vois dehors le mec? Je vais garder mes balles. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne qui arrive derrière nous. Ça, c'est déjà une bonne chose. On est bon. La prochaine zone, je suis dedans. Ouais, mais là... Oh. Là, ça va pas être terrible, là. Ça va être du corps à corps, et j'ai plus d'armes de corps à corps. La barrière arrive sur moi. Hein. 4 joueurs encore en vie. T'as vu la zone, comment elle est? Mais non. Au moins, j'ai une chance, c'est que je suis dans la prochaine, mais... Combien de temps ça va durer, mec? Qu'est-ce que je fais, là? Eh ouais, le son de la barrière, par contre, je suis pas fan, tu vois.
Ça fait un sacré contraste entre le côté coloré, apaisant du jeu et rigolo. Et ce côté jeu d'horreur. Ouais, je suis presque dedans. Il reste 4 mecs. Ah, ça tire, je crois que c'était vers le champ là. Ah non, c'est dans la maison en haut. On le voit. Ouais, là je suis bien encore. C'est où la prochaine zone? Dites-moi que je dois pas bouger. Ah, oh, je dois bouger. Je suis a priori dedans. Je suis dans la prochaine zone, les mecs. Enfin, j'ai les fesses à moitié dedans et pas dedans là. Non, 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 non. Ah, oh, si ça se termine dans la maison. Wow. Wow. Non, non, pas moi, pas moi les mecs, ils sont deux, vous êtes deux là. Mais non, mais pas les deux sont moi. Non. Ah non, c'est pas possible. Les deux, on avait après moi quoi. Oh, en plus, le mec, il a dû faire un piège. J'avais tout le loot au sol qui était possible et imaginable. Fin de cette vidéo, c'était... Ah ouais, c'était stressant à la fin. Mais les deux, ils sont mis carrément... Ils sont pas vus, en fait. Et j'ai les deux qui m'ont rushé. Dommage. C'était vachement cool. J'ai bien aimé. Faut juste que je trouve plus facilement la manière de récupérer des munitions et tout ça. Merci à tous. Et à bientôt, tout le monde. Ciao !